Excellent! Parfait! Après ça, c'est un do-si-do. On l'a fait tantôt à l'épaule droite en premier. Quand moi, j'ai dansé ma première danse, ça m'a comme mordu. J'ai dit « wow! » Ils vont faire une arche rendue en haut. Le monde a besoin de ça. Ils vont descendre en pas chassé dans le milieu. C'est un plaisir profondément humain, t'sais, authentique. Pour revenir se prendre la main, pas besoin de savoir danser. C'est simple et à la fois, c'est un des grands plaisirs de la vie, là, ouais. Et présentez! 1, 2, 3, 2! Encore! 1! À la main droite! L'accent est mis pas sur la performance, mais sur le plaisir. Et à la fois, c'est accessible à quelqu'un qui n'a jamais dansé dans sa vie. Et puis, c'est possible d'aller plus loin, tu sais, plus on avance, plus on complexifie les figures, les rythmes, tout ça. Je trouve que quand on s'intéresse à l'histoire de la danse, quand on s'intéresse à l'histoire de la musique, on s'intéresse à son histoire, on découvre des choses. Puis, tu sais, c'est une question d'identité, de savoir d'où est-ce qu'on vient. Pour moi, ça fait partie de ça. Être ancré, c'est ça, savoir d'où est-ce que tu viens. Mais de continuer d'évoluer. Tu sais, ça fait que moi, je dis les danses, c'est la musique d'hier pour le plaisir d'aujourd'hui. Quelqu'un qui n'a jamais dansé, c'est un peu comme une navette spatiale. La navette spatiale, le plus d'énergie qui est requis là, pour la faire décoller, c'est, tu sais, le premier bout, quand elle est sur la terre, il faut qu'elle parte et qu'elle aille. C'est la même histoire avec les danseurs qui n'ont jamais dansé. Ils sont assis sur leur chaise. Là, le carreur, lui, là, toute son énergie, là, ça va à décoller là, derrière de la chaise. Et une fois qu'ils sont embarqués sur le plancher, là, ça se fait tout seul. Mais ce petit bout-là, là, il y a des fois on travaille fort, mais une fois que c'est fait, les gens, boum, ça part tout seul. Ouh! Jusque dans les étoiles. On rencontre des gens, c'est plaisant, c'est relaxant. Moi, c'est le plus drôle puis le meilleur animateur que tu peux pas avoir pour une soirée comme ça. J'ai des gens qui viennent me voir à la fin d'une veillée, c'est la première fois qu'ils viennent me dire. Ils disent, écoute, c'est un de mes plus beaux moments dans ma vie. Une fois qu'ils se sont levés et qu'ils ont dansé, ils découvrent quelque chose. C'est difficile à expliquer, il faut vraiment le vivre pour le. Tu sais, tu en es témoin, tu avais une idée avant de venir ici, tu es venu, tu as vu, tu dis, oh my God, tu sais, wow, c'est quoi ça?